Précédemment dans une maison africaine. Ça me fatigue de rester à la maison. Tous les jours, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Il va m'inviter une soirée de ouf où tu me vois là, je veux partir même. Je dis, mais il fallait demander, moi aussi, je veux sortir. Si elle te dit oui, là, tu viens me faire ça. Moi aussi, elle demandait à sortir. Je veux que tu me laisses sortir ce soir. Wow. Va demander à ton père. Fais ce que tu veux. Une femme contente, c'est un foyer content. Va demander à ta mère. Fait des petits bavardages qu'elle a dit là, tu es devenu calme comme ça. Tu n'as même pas dit un mot depuis que tu es arrivé. Je vais réfléchir à mon choix, j'ai un problème. Si tu veux, tu peux sortir, tu vas dehors, ok? Si tu veux, tu peux rester. Le choix, c'est à toi. Non, mais ta mère là m'énerve trop. C'est ta mère aussi. Hein. Elle gâte mes plans de jeune fille. Où tu me vois là, mon cœur est plus bouillant que nous à 100 degrés Celsius. On met ça au congélateur, ça va t'aider. Tu veux que j'ai un choc thermique ou bien? Tu révises pas tes leçons de chimie, mais c'est toi qui veux parler mal. Attention. De toute manière, on est dans le même bateau, elle a dit non pour nous deux. Juste parce qu'on est dans le même bateau, ça veut pas dire qu'on arrive de la même manière, de toute manière. Si tu vois ce que je veux dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que juste parce que le plan A est chaud, ça veut pas dire qu'il n'y a pas le plan B, C, D, ou même E. Tu veux activer le plan B, après ce qu'elle vient de dire là. Si tu coupes cette maison, tu ne rentreras plus jamais. Il faut laisser ça. Si tu mets la bien l'activer et tu suis très bien mes instructions, tout va bien se passer comme sur des roulettes. Ni vu, ni connu. Et puis moi, je gagne quoi dans tout ça? Disons, je vais te rendre une faveur le jour où tu en auras besoin. C'est pas suffisant. En plus de ça, elle veut ta perruque. Ciao. Hein? Ok, c'est qu'elle va pas t'aider ce soir. Mais c'est ma perruque préférée. Mais d'accord, c'est bon. Je vais prendre. Voilà. Les bons comptes font les bons amis. C'est ça. Mijo, mijo, l'enfant rebelle. Mais amusement pas toi, tu as que des... Moi, il peut pas. Activer le plan B. Je ne peux même pas. Mais est-ce que tu as pensé? Imagine on t'attrape ou bien on te localise. Tu fais comment? C'est GPS ou bien? C'est ça ton problème. Tu es plus négatif qu'un électron dans une atome. Ah! Maman avait raison. En fait, non. Ton intelligence est plus limitée qu'un téléphone de 120 gigas. Et puis tu parles mal d'elle. Ok. On va voir qui va t'aider ce soir. Donc, petit amusement, j'ai fait la TFH. Relax, Raoul. C'est ce qu'on dit. Hein. Si on se focalise sur le positif, là, on va l'attirer. Donc ça, c'est un petit problème, faut pas t'inquiéter. Ok, il faut parler, c'est quoi le plan? Bon, le plan à suivre pour ce soir là, c'est très simple, après il est bien. 3 août 1939. Alors que la tension monte entre les États européens, Adolf Hitler et Joseph Staline vont secrètement signer un pacte de non-agression. C'est l'un des plus grands coups de théâtre de la Seconde Guerre mondiale. Oh, c'est toi. Tu m'as fait peur. Il y a une chose que je comprends pas. Hein. Tu se sens toujours pourquoi? Hein? Tu as peur de quelqu'un? Je n'ai pas peur de quelqu'un. Tu sais, c'est mon comme ça. Je dis, mon frère rebelle. Mijo, mijo, plus terrible qu'une armée rangée en bataille. Plus imposant que Hitler et Staline durant la vie. C'est bon, j'ai compris. C'est que tu as appris tes leçons d'histoire. Est-ce que j'ai le choix? Je ne sais pas que les résultats scolaires, ça soit dans 2 semaines. Donc tu le vois, moi je compte sur l'histoire pour faire monter ma moyenne. Sinon, elle serait dans le pain. J'espère que toi, là, tu as une bonne moyenne d'air parce que tu connais les parents. Il faut laisser à faire de moyenne, là. À chaque jour suffit sa peine. Tu apprends pour le plan. Bon, le plan, c'est très simple. La première étape, on doit vérifier qu'ils ne sont pas dans les périmètres. Tu comprends? Deuxième étape, quand tu arrives à la terre promise, on doit trouver m'a jamais dit que les murs ont des oreilles. Bon, de toute manière, j'ai trouvé. Donc, quand tu arrives à la terre promise, tu mets ça. Je vais savoir plus je suis aussi. Disons que tout se passe bien, ok? Ton retour là, ça se passe comment? Voilà. Ça c'est une très bonne question, c'est très intelligent. Ne t'inquiète pas, ça c'est un petit problème. Quand je serai de retour, je vais t'envoyer un message. La troisième étape la plus importante, ne pas dormir. Tu comprends? C'est important de ne pas dormir. Je vais pas dormir, je vais pas dormir. Je vais pas dormir. Elle m'a mis stoppée. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez vous abonner maintenant. Ne pas rater que la troisième partie va sortir. Vous allez liker, vous allez commenter dans les commentaires vos prédictions. Et vous allez partager pour m'aider à arriver à 10 000 abonnés avant les vacances. Je continue. J'ai vu. On passe au premier commandement.